devenir un héros, ce n'est pas difficile. Salut à tous et à toutes, c'est Freeze. Aujourd'hui on se retrouve pour FreeGhost en profondeur. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur les panoplies. Et oui, les panoplies de FreeGhost 3 qui ont été tout simplement des spoils dès l'ouverture de la bêta. Et on peut directement voir les panoplies et les jets de ces items. Donc du coup on va pas s'en priver. Et on va directement regarder les panoplies que nous propose déjà Madame Freeze, Mademoiselle Freeze, donc une petite panoplie de Mrs. Freeze, une panoplie qui me semble être force, j'allais dire, mais qui est force, intel et chance, voilà. Avec un petit skin sympa de la coiffe, on voit ici une coiffe à 400 vitalité, 440 force, 30 sagesse, 40 de puissance, 6 coups critiques, 10 dommages, ne terre feu, 15 prospection, 10 tacles et 7 résistance en feu et en air. L'anneau, c'est un anneau à 300 vitalité, un anneau à 300 vita, c'est assez rare, 500 force, 500 intel, 500 chance, 3 coups critiques, 10 dommages neutres et terre, 10 soins, un malus de 10 fuites, 10 dommages critiques et 10 résistances terre, et les bottes de Mrs. Freeze qui sont de 350 vitalité, 60 force, 30 intelligence, 30 chance, 50 sagesse. 1 PM, 1 PO, 10 dommages neutres, 10 dommages terre, 10 dommages feu, 10 dommages eau, 10 prospection, un malus de 200 à 300 initiatives, 6 esquives PA et 12 résistances neutres et 12 résistances eau fixe. Une panoplie qui me semble intéressante, surtout les bottes. Les bottes qui donnent quand même 60 force, 1 PM, 1 PO, qui détrônent tout simplement à mon goût peut-être les bottes brousse, attendez, je réfléchis au jet qui donne quand même plus de force. Puis quand même les bottes de Mrs. Freeze qui donnent quand même 50 de sagesse, 1 PM et 1 PO. Donc ce qui est quand même assez intéressant. Et le bonus de la panoplie pour 3 items qui est aussi fort intéressant. 1 PA, 30 chance, 30 intelligence, 60 force et 120 vitalité. Donc c'est une panoplie. Attendez, je veux juste voir un truc. Non, voilà, c'est ce que je me doutais. C'est une panoplie surtout force avec une optimisation feu et eau. Ça peut être intéressant pour pas pour les EK, tout simplement parce que c'est eau et feu, donc du coup pour un EK flip c'est pas très très intéressant, mais une panoplie, en tout cas moi j'aime bien la coiffe qui donne quand même 400 vitalité et l'anneau 300 vitalité, la coiffe qui donne quand même presque 40 de puissance, donc 80 force par exemple, ouais. Une coiffe qui m'a l'air fort intéressante et en plus qui a un skin. Le skin de Mrs. Freeze, franchement. Ma femme. ouais, j'aime bien le skin de la coiffe, donc pourquoi pas l'avoir pour un skin. Lol, une coiffe à 10 millions de kamas juste pour le skin, ça va faire mal aux fesses. La cape glaciale, ensuite nous avons 2-3 petites choses quand même. Donc on va essayer de faire le tour. La panoplie glaciale qui est une panoplie de Mrs. Freeze, la panoplie glaciale. Donc on va commencer par la cape qui est 350 vitalité, 80 chance, 50 sagesse, 5 coups critiques, 1 PO, 16 dommages haut, 15 prospection, 15 suite, 10 résistance feu et 25 résistance terre fixe. Wow. Et avec un skin vraiment vraiment pas mal, je trouve. Ensuite, l'anneau glacial, 250 vitalité, 60 chance, 40 sagesse, 4 coups critiques, 15 dommages haut, 15 prospection, 8 fuites et 20 résistance critique. Et ensuite, la ceinture glaciale, 350 vitalité, 70 chance, 50 sagesse, 20 dommages haut, 500 initiatives, 7 retraits PM, 20 dommages de poussée et 9 résistances eau et 9 résistances air. Et Ankama innove dans les résistances 100% vu que ce n'est plus du 10 mais du 9%, ça ne change pas grand chose. Ils auraient pu mettre au moins 10. Le bonus de cette panoplie eau, c'est 50 chances, 1 PM et 25 résistances critiques. Une panoplie full eau qui peut s'associer tout à fait avec la panoplie d'Anator. Si je réfléchis, la panoplie d'Anator donne 1 PA, donc ça peut être beaucoup plus intéressant. Mais c'est une coiffe, attendez je note, c'est une ceinture et c'est une AMU. Donc c'est à vous de choisir, puisque ici il y a une cape, une ceinture et un anneau. Donc en fait c'est à vous de choisir, soit vous préférez le bonus PM, soit vous préférez le bonus PA, sachant que je ne peux pas comparer le bonus de la ceinture avec la ceinture de la Danator.
parce que tout simplement je connais pas le jet de la ceinture d'Anator, mais là la ceinture 350 sagesse, vita, 70 chance, 50 sagesse, et les résistances, et le bonus de la panoplie donne quand même 25 résistances critiques. Donc ouais, c'est un... C'est deux panoplies qui peuvent s'associer à quelques conditions près. Ensuite, on a quelques petits items à part, je pense. Ah non, ici là, c'est une panoplie aussi, la panoplie du Strigide. Attendez, il faut que je note les panoplies que j'ai déjà fait. Donc j'ai fait la panoplie de Mrs. Freeze, la panoplie glaciale, comme ça je ne me perds pas, et la panoplie Strigide. Alors, on va un peu parler de cette panoplie Strigide. L'amulette Strigide, 400 vitalité, 40 sagesse, 70 puissance, 6 coups critiques, 1 PA, un malus de 15 prospection, 15 tacles, 6 esquives PA, 25 dommages critiques, 8 résistances terre et 8 résistances air. La ceinture du Strigide, 350 vitalité, 50 sagesse, 60 puissance, 7 coups critiques, 7 soins, 400 initiatives, 10 tacles, 30 dommages critiques, 12 résistances en feu et 20 résistances air fixe. Les bottes Strigides qui sont de 400 vitalité, 50 sagesse, 75 de puissance, un malus de 10 prospection, 8 esquives PA, 25 dommages critiques, 10% de résistance en terre et 20 résistances fixes en neutre et 20 résistances fixes en eau. Le bonus de cette panoplie est de 1 PA, 20 dommages critiques, 50 puissance et 100 vitalité. Si on regarde bien, il y a la panoplie d'Aremine qui donne une coiffe, une cape et un CAC. Et elle est tout à fait combinable avec cette panoplie et même avec la... Non, pas la panoplie létaline, puisque la panoplie létaline comporte une cape, une ceinture et des bottes. Donc c'est pas du tout compatible avec la létaline, mais c'est tout à fait compatible avec la Eramine qui donne de la puissance, de la sagesse, mais qui enlève par contre des stats. Donc ça peut être fort intéressant. En plus, la Eramine donne un PA, je crois. Donc la panoplie Strigide donne elle aussi un PA. Donc ça peut vraiment donner un truc sympa pour les pandas, je pense. C'est la panoplie soutien qui avait été annoncée par Okama. L'amulette qui donne quand même 40 vitalité, 70 de puissance. Donc c'est une panoplie en fait aussi soutien, mais une panoplie multi-éléments. Donc ça c'est vraiment sympathique. Donc la panoplie Strigide c'est fait. Les sangles art. Donc on va regarder les recettes associées. Donc ici c'est une ceinture, par contre pas de panoplie. Cette ceinture nous donne 300 vitalité, 400 chance, 30 sagesse, 2 fois 40 de puissance. Donc je crois que ça doit être un fail de la part d'Ankama. Ça doit être une seule fois 40 puissance, 1 PM, 2 invocations, 15 prospection, 15 tacles, 25 dommages critiques, 25 dommages de poussée, 10 résistances eau et 10 résistances air. Donc une ceinture de sang qui me semble assez intéressante. Ouais, qui donne un peu de sagesse, un peu de puissance quand même. Ce qui est vraiment intéressant, c'est les 2 PM, les 2 invocations. Est-ce qu'il y a des conditions avant fini le donjon du compte? Ah d'accord, c'est un item du compte à rebours. Et quand même 10% de résistance en eau et en air. Donc presque pareil qu'une race boulaire. Donc c'est assez intéressant. Recette associée. Ensuite, l'amulette nocturable. On a fait donc la panoplie. On va noter Noctulab. Donc je découvre en même temps que vous, hein, je vous l'annonce. Hein. Ouh, beaucoup de bonus ici, ça a l'air intéressant. Alors, cette panoplie Nocturable, 350 vitalité, 100 force, 40 sagesse, moins 7 coups critiques. 1 PA, 12 dommages terre, 20 prospection, 15 dommages critiques, 10% de résistance en air et 20 résistance au fixe. Ensuite, la ceinture nocturable. Les conditions, attendez. Avoir fini le donjon du compte, d'accord. 350 vitalité sans agilité, 60 de sagesse, 7 coups critiques moins 1 PO, 15 dommages air, 20 prospection, 25 dommages de poussée, 10 résistance eau et 20 résistance terre fixe. Donc celle-là c'est une ceinture à sigilité, celle-là c'est une amulette force, donc qui peut se mettre avec une panoplie brousse, mais avec ce malus de coups critiques, ça veut dire que ça vous enlève tout simplement
eh bien, le 1 sur 2. Tandis qu'une ceinture nocturable, c'est tout à fait modifiable PO, vu qu'on est souvent à 8, voire 7 PO, 7 ou 8 PO, alors que c'est limité à 6, donc ça encore, ça peut être rattrapé, tandis que l'amulette, à part avoir un tutu 20, et encore, on n'est pas sûr d'être 1 sur 2. Et les bottes nocturables, 350 vitalité, 100 chance, 50 de sagesse, 1 PM, 1 PO, 15 dommages haut, 20 prospection, 300 initiative, un malus de 15 dommages critiques, 10 résistance, 10% de résistance terre et 20 résistance air fixe. Une panoplie chance, d'après ce que j'ai vu, bah ça. C'est très axé sur les items chance, apparemment, free free là, d'après ce que j'ai vu. Et le bonus de cette panoplie, c'est 1 PA, 15 dommages critiques, 7 coups critiques, 1 PO, 50 dommages air, 50 dommages eau et 50 dommages terre. Ça veut dire que si vous mettez eh bien, cette panoplie en entière, ça annule tous les malus de cette panoplie, donc ça vous force à la mettre. Les 50 dommages, quand même, sont très intéressants ici. Le PO aussi, le PA, et c'est air, eau, terre. Est-ce que c'est. Cumulable avec une. Et si on met deux items, attendez, avec une ogivole. Ça vous annule tous les malus, ça vous donne que 25 dommages, mais ça vous donne pas le PA. Mais c'est cumulable, et eh bien avec une panoplie ogivole, et ça peut devenir peut-être intéressant. La ceinture glaciale, c'est fait. Ah, les dagues, tiens. On va attaquer un peu les corps à corps. Recette associée. Alors, ces dagues qui font du 16 à 22 dommages neutres, du 5 à 7 volts feu, 300 vitalité, 75 intelligence, 45 sagesse, bon, un malus de 1 PO, 15 dommages terre, 10 dommages feu, 7 à 10 en malus de soin, 10 protection, 400 initiatives, 11 à 15 tacles, 10 dommages critiques, 10% de résistance neutre, 7% de résistance terre, 7% de résistance air. Des dagues cheatées. Et en caractéristique, 3 PA et un coup critique 1 sur 30, donc tout à fait atteignable. Finir le donjon de la forge froide de Mrs. Freeze, ma femme, oh! Et avoir plus de 400 intelligence et avoir plus de 200 force, donc petite dague assez intéressante. Ensuite, on avait un autre corps à corps, l'arc. Oui, c'était ça, c'était l'arc onque. Donc on va regarder recette associée. Qui tape du 32 dommages neutres, du vol de vie en eau et en air, 250 vitalité, 50 intelligence, 50 sagesse, 50 puissance, malus de 9 coups critiques, 1 PO, 12 dommages feu, 12 dommages eau, 12 dommages air, 300 initiative, 18, 8% de résistance en neutre et 8% de résistance en eau, 8% de résistance en air. Wouh! Un Dark cheaté à 5 PA, 3 à 8 de PO et un coup critique 1 sur 40. Ça peut être très très intéressant cet arc. Ça me fait très penser à l'arc Outentag qui est. Ah, malheureusement, lui c'est un CAC à deux mains. Donc, ouais, c'est à voir, mais ça me paraît quand même intéressant. Surtout en PVM. Alors, l'arc. Attends, on en était où? Voilà, l'anneau glacial, c'est fait. Donc l'anneau de Tami. Non, ça n'a pas de panoplie. Il faut juste que je regarde si ça a vraiment des panoplies. Si c'est indiqué panoplie, voilà. Si c'est indiqué panoplie, on va switcher sur recette associée. L'anneau Tami, 350 vitalité, 75 intelligence, 40 sagesse, moins 1 PO, 15 dommages feu, 15 tacs, 8 retraits PM. Et c'est tout. Petit anneau. Surtout très intelligence. Avoir fini la forge froide de Mrs. Freeze. Donc le premier donjon de Free Free 3. Et c'est un anneau qui peut être très très intéressant au niveau de la panoplie automée qui remplace bah, tout simplement le crâne anneau qui donne 25 intelligence en plus, de la sagesse en plus, de la vita en plus, et des dommages en plus, je pense. Ensuite, la bêche as, une petite pelle à deux mains. Qui fait du 23 dommages neutre, du 23 dommages terre, du 6 en vol neutre, du 300 vitalité, du 75 force, du 40 sagesse, un malus de 8 coups critiques, 10 dommages neutres et 10 dommages terre, 20 prospection, 400 initiatives, 10 dommages critiques et 10% de résistance terre et 10% de résistance air. Ils avaient dit qu'ils auraient fait une pelle meilleure, et ben c'est une très bonne pelle. Voilà, j'avais que ça à dire. Ah, la fameuse coiffe. Il faut quand même avoir fini le donjon du comte et avoir moins de 12 PA.
La coiffe Ranchi, une coiffe level 200, qui nous offre un PA. Bravo Ankama. On va pouvoir enfin remplacer cette cape Xagro. 400 vitalité, 50 sagesse, 75 de puissance, 1 PA, 20 dommages neutres, 15 soins, 20 prospection, 15 tacles, 10 esquive PA, un malus de 20 dommages critiques. Donc ce qui est très 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 peu pour, je trouve, ce jet de cette coiffe. Malheureusement, il faut avoir fini Frigost 3 pour pouvoir la mettre. Ah, l'amulette. Tiens, une panoplie qu'on n'a pas vue. L'amulette Cryochrone. Donc on va mettre Cryochrone. Voilà. Alors, petite panoplie assez sympa qui a un mono-œil. Alors, cette panoplie, c'est la coiffe Cryochrone qui nous offre 350 vitalité, 60 intelligence, 60 chance, 40 sagesse, 6 coups critiques, encore un double coup critique, donc ici ça doit être encore un fail de la part d'Ankama. 15 dommages feu, 15 dommages eau, 10 prospection, 400 initiative, 15 résistance critique, 15 résistance terre et 15 résistance eau fixe, je tiens à le préciser. L'amulette, 300 vitalité, 40 intelligence, 40 chance, 3. 30 sagesse, 1 PO, 12 dommages feu, 12 dommages eau, 10 soins et 10 dommages critiques. Est-ce qu'elle donne 1 PA? Ah, c'est un anneau. Excusez-moi, c'est un anneau, ce n'est pas l'amulette. J'avais crié au scandale, ouais, la première amulette qui donne pas de PA, on se fout de notre gueule, qui va la mettre, c'est inutile. En fait, si. Vu que c'est un anneau qui reste assez semblable, quand même les 300 vitalités, mais un anneau qui reste assez semblable à ceux de Free 3, Free Free 2 et je pense surtout aux anneaux Glourson. L'amulette, 300 vitalité, 60 intelligence, 60 chance, 40 sagesse, 1 PA, 14 dommages feu, 14 dommages eau, 15 prospection, 300 initiative, 10 tacles, 8% de résistance terre et 8% de résistance air. Le bonus de cette panoplie pour les 3 items est de 50 intelligence, 50 chance, 300 initiative, 15 esquive PA et 1 PA. C'est une panoplie intelligence et chance qui est cumulable avec. Qui peut être mis bout à bout avec la panoplie de Théodorant Axe qui est. Je ne sais pas si ça peut être intéressant parce que c'est vrai que ça a pas mal de malus, mais en fait ils ont fait des panoplies comme ça. En fait, je viens d'avoir une idée qu'il faut que j'explique. Ils ont mis les panoplies 2.10 avec des malus, tout simplement parce qu'il les estimait trop cheatés. C'est des panoplies à la base qui sont équivalentes à celles de Free Free 2. Un peu moins équivalentes à celles de Free Free 3, excusez-moi. C'est-à-dire que s'ils ne mettaient pas de malus, ils seraient aussi cheatés que celles de Free Free 3 et qu'on n'aurait aucun moyen de. On aurait besoin de rien pour les mettre. Tandis que là, déjà rien que Free Free 2, il faut avoir fini tous les donjons pour les mettre, ou certains donjons très difficiles. Donc ça veut dire que là, ils mettent pas de malus, très peu de malus. Ça devient assez intéressant. Donc là, la panoplie Cryochrone, je l'ai déjà marqué, donc c'est nickel. Le masque de Mrs. Freeze, c'est fait. L'anneau de Mrs. Freeze, c'est fait. Des nouveaux items encore. La cape Hologie, une cape 1 PM, 350 vitalité, 100 force, 6 coups critiques, 1 PM, 18 dommages neutres, 18 dommages terre, 15 résistance critique, 10% de résistance feu, 8% de résistance eau et 5% de résistance air. Et il y a bien sûr. Ah ouais, avoir fini juste le transporteur de Silargue. Une cape qui peut tout simplement se mettre avec la panoplie Bruce. Avec la coiffe de Roshi, là, celle de 1 PA. Et puis voilà! C'est des items qui vont très bien aller avec les 2.10 et 2.66. Bravo Ankama, ils ont très bien réussi leur coup. Non, franchement, ils ont bien géré. Les sandales Uzi, 350 vitalité, 400 chance, 400 agilité, 40 sagesse, 6 coups critiques, 18 dommages eau, 18 dommages air, 15 prospection, 6 esquives PM, un malus de 6 esquives PA, un malus de 15 résistance critique. 15 résistance poussée, 20 résistance terre et 20 résistance air. C'est dans la continuité de la panoplie Hellmonster avec les mêmes malus que la panoplie Hellmonster. Ouais. Je crois qu'ils se sont rendus compte. Ah, on a oublié des bottes dans la panoplie. Ah ouais, mais on voulait faire une panoplie que de 3 items. Oh, rajouter un quatrième item sur Free Free 3.
C'est ça. T'sais. Oula, mais là on attaque, il y a quand même beaucoup beaucoup d'items. Donc on va continuer. La cape Canimate, petite panoplie, donc on va mettre Canimate. Voilà, on a quand même 15 panoplies à gérer. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, la coiffe Canimate, 300 vitalité, 30 intelligence, 30 chance, 30 agi, 60 sagesse, 5 coups critiques, 8 dommages feu, 8 dommages eau, 8 dommages air, 10 soins, 20 prospection, un malus de 6 retraits PM, 8 à 12 dommages critiques et 7% de résistance eau. La cape Canimate, 350 vitalité, 300 intelligence, 300 chance, 30 agilité, 60 sagesse, 1 PO, 12 dommages feu, 12 dommages eau. 15 prospection et 20 résistance poussée de malus, 10% de résistance neutre et 10% de résistance terre. L'amulette Canimate, 300 vitalité, 30 intelligence, 30 chance, 30 agi, 30 sagesse, 6 coups critiques, 1 PA, 8 dommages feu, 8 dommages eau, 8 dommages air, 7 à 10 soins, 400 initiatives, 10 tacles, 7 esquives PM, 20 résistance feu, 20 résistance air. Le bonus de cette panoplie est de 1 PA, 1 PO, 20 dommages eau, 80 chance. Ça peut être intéressant. Ça donne pas beaucoup de stats brutes, on va dire ça comme ça. Je ne vois pas trop quoi mettre parce que c'est vrai qu'intelligence et chance, moi je suis pas trop penché là-dessus avec mon EK. Bah surtout, je veux dire ce combo de caractéristiques, donc je me suis jamais trop penché dessus. Et mais là, les optimisations d'EK Flip, ça va y retourner avec Free Free 3 là. Vous allez en bouffer, hein. Parce que là, je vais avoir des idées, mais là, franchement, non, je vois pas comment l'utiliser. L'amulette Canimate c'est fait. La capuche de Szilárd. Donc la panoplie de Szilárd. La capuche de Szilárd. Donc la coiffe 400 vitalité, 60 force, 40 sagesse, 4 coups critiques, 16 dommages neutres, 16 dommages terre, 14 dommages air, 300 initiatives, 10 tacles, 10% de résistance neutre, 14 résistance feu. J'ai oublié de marquer que c'était la panoplie de Szilárd. Donc on va la noter. Ensuite. La cape 350 vitalité, 80 force, 60 sagesse, 5 critiques, 15 dommages neutres, 15 dommages terre, 15 prospection, 6 esquives PM, 7% de résistance feu, 7% de résistance eau. Ensuite, la ceinture de Szilárd, 300 vitalité, 70 force, 40 sagesse, 4 coups critiques, 16 dommages neutres, 16 dommages terre, 10 prospection, 10 dommages critiques, 10% de résistance air, 15 résistance terre et air fixe. Le bonus de la panoplie de 1 PM, 10 esquives PM. 30 dommages de poussée et 50 force. Voici une panoplie pour les roxeurs de la stat brute. Et si on met la coiffe et la cape avec la panoplie brousse, par exemple, ça nous offre un bonus de 50 force, 30 dommages de poussée et 10 esquives PM. Les dommages de poussée, panoplie pour les yops au Ghoul Terminator pour faire des trucs qui poussent, là, des attaques qui poussent. Ouais, ça peut être intéressant. Et les conditions, avoir fini le transporteur de Szilárd. Donc ici, ah non, anneau cycloïde. Donc on n'avait pas fait cette panoplie, donc cycloïde. Hop, voilà, on a noté cycloïde. L'amulette cycloïde, 400 vitalité, 60 force, 60 intel, 60 agi, 30 sagesse, 1 PA, une invoque, 12 dommages neutres, 12 dommages terre, 12 dommages feu, 12 dommages air, 8 tacles. Malus de 8 esquive PA, 8% de résistance neutre et 8% de résistance feu. 300 vitalité. Ah, l'anneau. 300 vitalité, 40 force, 40 intelligence, 40 agilité, 12 dommages neutres, 12, 10 dommages terre, 10 dommages feu, 10 dommages air, 300 initiative, 6 tacs, 8% de résistance eau. Et les bottes de cycloïde. 350 vitalité, 50 force, 50 intelligence, 50 agilité, 50 sagesse, 5 coups critiques, 1 PM, 1 PO, 10 dommages neutres, 10 dommages terre, 10 dommages feu, 10 dommages air, 10 dommages critiques, un malus de 30 dommages de poussée, 10% de résistance air et 15 résistance terre fixe. Le bonus de cette panoplie est de 1 PM, 5 coups critiques, 30 prospection, 40 agilité, 40 intelligence, 40 force. Alors on se retrouve après une petite ellipse d'une microseconde pour vous, mais en fait de 24 heures pour moi, car en fait j'avais déjà fait une heure et demie de tournage et ça m'avait grandement énervé de faire ces items.
Bah, c'est pas que ça m'avait énervé, mais je trouvais ça rébarbatif de répéter les jets des items. Donc du coup, on continue cette vidéo. Ce sera collé directement à la première partie. Pour la suite de la découverte des items, donc je n'ai pas fait beaucoup plus que la dernière fois, hein. Je n'ai rien découvert. Et on commence directement par la canne à corps à corps qui est... je ne sais pas, ça doit... Ah voilà, catégorie bâton. 11 dommages feu, 20 dommages air, 7 vol feu, 350 vitalité, 60 intelligence, 40 agilité, 40 sagesse, 3 coups critiques, 1 invocation, 12 dommages feu, 18 dommages air, 10 prospection, 6 tacles et un malus de 15 résistance de poussée, 7% en terre, 7% en feu et 10 résistance air fixe. Un petit bâton qui me semble en 4 PA, donc une seule utilisation par tour. Un CC 1 sur 45 avec un petit bonus de CC. Feu air, c'est quoi comme panoplie? Il y a la glour, il y a la tengu. C'est un bâton 197, donc ça m'étonnerait que vous avez la tengu quand même encore à ce level là. C'est quoi comme panoplie THL? La feu air. Attendez que je me rappelle, il y a la Oshimo, il y a la. Ah oh, bah je ne vois pas. Je pense pas qu'il y a peut-être pas de panoplie encore. À ce niveau-là, feu air, vous pouvez me le dire si vous avez une petite idée. Ensuite, la ceinture clim, donc ça doit être voilà la panoplie de clim. Donc on va commencer par le masque, donc la coiffe de clim qui est vraiment stylée. Je trouve que la cape sobre, très sobre, toute blanche avec ce petit sa petite bande rouge est vraiment classe. Et en plus le masque comme ça, ça fait un peu le masque d'Astérix. Donc on va commencer donc par les jets, donc ça veut dire 300 vitalité, 60 agilité, 60 sagesse, 3 coups critiques, 25 dommages air, 25 prospection, 18, 8 esquive PA, 10% de résistance feu et 15 résistance fixe en eau. Ensuite, la cape 350 vitalité, 70 agilité, 50 sagesse, 6 coups critiques, 1 PO, 18 dommages air, 15 prospection, 400 initiative, 30 résistance poussée, 10% de résistance eau. Et la ceinture, 20, 300 vitalité, 80 agilité, 50 sagesse, 3 coups critiques, 12 dommages air, 20 prospection, 10 fuites, 7 esquive PA, 12 dommages critiques, 10% de résistance neutre et 20% de résistance terre. Le bonus de cette panoplie clim est de 1 PM, 10 esquive PA, 2 PO et 50 agilité. Elle est très complémentaire vu que c'est une panoplie mono-élément, très complémentaire avec la Alistair. Par contre, eh bien, vous ne pouvez mettre par exemple que 2 items parce qu'il y a la coiffe Alistair et le masque de Klim maintenant, et que deux objets quand même vous donnera un bonus de 50 agilité, 2 PO et 10 esquive PA. Après, vous pouvez mettre par exemple ces trois objets là et bénéficier du bonus PM, ou par exemple mettre les trois items de la panoplie Alistair, donc profiter du bonus PA. Donc la panoplie de Klim, c'est fait, on le note. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons découvrir? La cape de clim, c'est découvert. La canard, c'est fait. Les bottes de Striditch, on avait déjà vu la panoplie. Le talisman songe. Une petite amulette, 300 vitalité, 60 force, 30 intelligence, 30 chance, 40 sagesse, 15 coups. 15 coups critiques, 1 PA, 15 dommages neutres, 15 dommages terre. 15 prospection, 10 tacles, 8 résistance air, 15 résistance feu. Et si on regarde les conditions, avoir fini le donjon du comte. Ouais. Ceci est une amulette tutu. C'est un tutu plus optimisé qu'un turquoise. Vache! C'est-à-dire qu'il peut nous donner 15 coups critiques, mais en plus il a plein de stats à côté. Wow. Très très étonné par cette amulette. En plus, qui vous offre un PA carrément. Alors là, c'est une très grosse surprise en tout cas. Bon, amulette level 200, il faut avoir fini le donjon du comte quand même, hein, faut le préciser. Mais bon, assez impressionnant. La pelvis, une petite pelle. Et en plus, ils ont fait un petit jeu de mots complètement pourri. Elvis, oh yeah! Je connais pas les chansons qu'il chantait, mais il avait une banane, oh yeah!
La pelvis, 22 à 28 dommages neutres, 23 à 34 dommages feu, un vol de vie de 7 à 10 vols haut, 300 vitalité, 75 intelligence, 50 chance, 25 sagesse, un malus de 4 à 5 coups critiques, 20 dommages, 20 dommages, 15 dommages feu, 20 dommages haut, 10 soins, 20 prospection, 300 initiative, 10 retraits PA et 15 résistance R fixe. Petite pelle qui peut être neutre et terre et feu et eau, ou soit tout simplement vous pouvez en faire une pelle full feu qui peut être assez intéressante vu la zone maintenant qui est proposée avec les pelles. Ensuite, le bonnet vicieux qu'on n'avait pas fait. Donc on va un peu regarder ce que nous propose cette panoplie vicieuse, excusez-moi. Donc on va l'écrire déjà, panoplie vicieuse, voilà. On en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous reste encore 5 panoplies à observer quand même, il faut le préciser. Donc allez, on est parti. Pour le bonnet vicieux, 351 à 400 vitalité, 30 force, 60 agilité, 40 sagesse, 5 coups critiques, 8 dommages neutres, 8 dommages terre, 16 dommages air, 10 prospection, 7, 8, 8% de résistance feu et 8% de résistance eau. L'anneau vicieux, 250 vitalité, 20 force, 40 agilité, 30 sagesse, 4 coups critiques, 1 PO, 10 dommages R, 400 initiatives, 6 retraits PM, 15 dommages critiques et 15 résistance terre. Et les bottes vicieuses, 350 vitalité, 25 force, 50 agilité, 50 sagesse, 6 coups critiques, 1 PM, 6 dommages neutres, 6 dommages terre, 12 dommages R, 20 prospection, 8 dommages critiques, 14 résistances fixes neutres et 14 résistances R. Le bonus de cette panoplie est de 1 PA, 8 retraits PM, 16 fuites, 20 forces et 40 agilités. J'ai du mal à cerner cette panoplie. Cette panoplie irait bien avec la panonervac. Est-ce que la panoplie nervac... Je suis en train de me demander. La panoplie nervac donne ceinture. Cap et AMU. Ici il y a une coiffe. Ah voilà, donc j'allais vous dire, c'est une petite cantile, c'est une cantile abusée. En fait, non, pas du tout. C'est donc déjà une panoplie, non, qui peut même pas se mettre avec la cantile. Et d'ailleurs, ce qui serait ridicule de la mettre avec une cantile, parce que c'est une panoplie Free Free 397, s'il vous plaît. Mais tout simplement, les jets sont quand même beaucoup moins abusés que la Nervac. Mais en fait, elle est tout à fait possible de la mettre avec la panoplie Nervac, tout simplement parce que la panoplie Nervac, c'est la ceinture, la cape et la mue, et la panoplie vicieuse, c'est la coiffe, l'anneau et les bottes. Donc ça veut dire qu'ici, vous aurez un bonus PA, tandis que sur la panoplie Nervac, vous avez un bonus PM. Allié à ça, vous mettez un marteau renne, et là, one shoot au marteau renne. En CC en plus, s'il vous plaît, monsieur, et là vous faites un moins 2500 quoi. Bam! Donc voilà, petite panoplie qui peut s'allier avec la Nervac, donc ce qui peut être assez sympathique, c'est à voir sur Dofusbook quand elle sera eh bien disponible. Ensuite, la bague gnostique, une bague 196. Et donc 250 vitalité, 50 intelligence, 50 chance, 40 sagesse, 5 coups critiques, un malus de 1 PO, 12 dommages feu, 12 dommages eau, 15 prospection, 15 résistance critique. Petit anneau qui va avec la panoplie Théodorant Axe, pas vraiment extraordinaire. Peut-être les 5 coups critiques, et en plus un malus PO, donc non, pas vraiment extraordinaire cet anneau. Les bottes Dog. Ah! Avoir fini le donjon du comte et avoir moins de 12 PA. D'accord. Des bottes level 200. Et je crois que vous avez vu le truc cheaté direct. 300 vitalité. 50 force. 50 intelligence. 30 sagesse. 2 PM, les gens. C'est les premières bottes qui vous offrent 2 PM. Normalement, c'est impossible. C'est impossible avec tout simplement le FM, je crois. Avoir 2 PM cumulés, c'est impossible. 2 PO cumulés, c'est possible. Mais 2 PM. Vous imaginez le poids de cet item. En plus, il vous offre 2 invocations, 14 dommages terre, 14 dommages feu, 15 soins, 15 prospections et 7 retraits PA.
On disait que les trophées c'était abusé. Mais ces bottes, qu'est-ce que vous en croyez? Qu'est-ce que vous en dites? 2 PM, c'est le premier item qu'on voit avec 2 PM. Et le Dofus des glaces, ça sera quoi? 2 PA? Je reste sceptique. Bah, je trouve ça très abusé et ça me met plein de petites étoiles aux yeux de voir des bottes comme ça. En plus des bottes fortes, s'il vous plaît. Mais je reste quand même sceptique à l'idée d'avoir des bottes comme ça et ah, je sais pas pourquoi, j'ai ah là là, ceux qui ont des teams et qui passeront Free Free 3, ça sera cheaté de toute façon avec ces items. Ils pourront battre tout le monde. Maintenant, on va aller voir un peu chez Nizella les. Ah non, pas de bestiaire, s'il vous plaît. Je ne voulais pas ça, excusez-moi. Donc, on va retourner dans les succès. Oh, sur la map. On va retourner dans les succès et on va regarder recette associée. Donc, dans cette recette associée. Oui, j'avais fait celle de Clim. Donc, Silargue, est-ce que c'était fait? Oui, Silargue, c'était fait. Cycloïde c'est fait et la panoplie Nizella, eh bien on ne l'avait pas faite. Donc du coup on va la faire. On note juste Nizella. Voilà, s'il vous plaît. Parfait. Et on va un peu en parler. La panoplie Nizella, donc la cape qui fait très Panjo d'Indien d'Amérique du Sud. 400 vitalité, 80 intelligence, 50 sagesse, 1 PO, 15 dommages feu, 6 soins, 15 prospection, 10% de résistance. Terre, et là, un petit fail de la part d'Ankama. Pourcentage, résistance air. Bien vu. Donc une cape qui peut aller avec la panoplie automée, qui nous offre quand même beaucoup de sagesse, 1 PO, 80 intelligence et 400 vitalité quand même. Une petite amulette, 300 vitalité, 70 intelligence, 40 sagesse, 1 PA, 1 PO, 20 dommages feu, 10 prospection, 12 dommages critiques, 10% de résistance neutre et 10% de résistance feu. Waouh. Belle amulette. L'amulette automée, je vous l'avoue, elle est vraiment très très jolie. Hein. Elle est vraiment forte, sympathique. Ah mince, je vais pas pouvoir la montrer, mais celle-là, la dépasse. Ouais. C'est assez sympa. Bon, on pourra pas mettre avec la panoplie automée, on pourra mettre que la cape par exemple. Parce que déjà dans la panoplie automée, on a déjà les bottes et l'amulette. 350 vitalité, 60 intelligence, 50 sagesse, 5 coups critiques, 1 PM, 18 dommages feu, 15 prospection, 10 fuites, 6 retraits PA, 12 résistance terre fixe, 12 résistance feu fixe et 12 résistance air fixe. Le bonus de la panoplie Nizella est de 50 intelligence, 1 PM et 500 initiative. Et si par exemple on met deux objets, on gagne 500 intelligence et 500 initiative. Panoplie qui peut s'allier donc avec l'automé, bah seulement la cape. Et encore, il faut en trouver l'utilité et les conditions de cette panoplie, savoir finir le laboratoire de Nizella. Alors, l'amulette Wrangler. Amulette 196, 300 vitalité, 25 intelligence, 50 agilité, 25 puissance, 1 PA, 12 dommages feu, 12 dommages air, 8 soins, 6 tacles, 15 prospection. Un malus de 15 résistance critique, 7 résistance terre et 14 résistance terre fixe. Cette amulette dans la continuité de la panoplie pas de greffe qui n'avait pas d'amulette. Ça s'allie simplement avec cette panoplie-là. Ah, la panoplie instable. Nouvelle panoplie, level 199. Donc on va la noter. Instable. Et je viens de voir quelque chose de très intéressant dans le bonus de cette panoplie. Donc, on y reviendra plus tard. Panoplie instable. Déjà, les conditions, c'est avoir fini le laboratoire de Nizella. 200 vitalité pour l'anneau, 50 sagesse, 5 dommages neutres, terre, feu, eau, air, 15 tacles, 12 esquives PA, 40 dommages de poussée. L'anneau instable, le deuxième anneau de cette panoplie, 200 vitalité, 50 sagesse, 15 fuites, 12 esquives PM, 40 résistance de poussée, 5 résistance neutre, terre, feu, eau, air. Et la ceinture instable, 300 vitalité, 60 sagesse, 12 coups critiques, 2 PO s'il vous plaît, une invocation, 12 soins, 20 prospection, 12 retraits PA et 12 retraits PM. Le bonus de cette panoplie, qui ne donne guère envie quand on la regarde, est tout simplement, je dis juste ça, tout simplement, 2000 initiatives, 1 PM, 1 PA, 40 prospection. Parfait pour un panda. Je vous le dis juste comme ça vous donne 2 PO, une invocation, rien que la ceinture, 12 coups critiques. Ouais, what the fuck?
et le bonus de cette panoplie qui est quand même de 2000 initiatives, 1 PM et 1 PA pour 3 items. Que demande le peuple? Cette panoplie-là en 3 items donne 2 tiers de ce que j'arrive à avoir avec une panoplie entière et 2 trophées initiatives qui me donnent du 1200, hein. Je vous le dis juste, hein. Voilà. C'est juste incroyable. Bah, incroyable, non, mais ça fait peur. Alors, ici, une rapière au glyphe. Une petite épée qui fait 44 de dommages neutres et 10 vols hauts. Donc, ici, c'est une petite carry à 4 PA. Donc, en fait, c'est une mini carry à 4 PA. Donc, une seule utilisation et qui est 1 sur 50 au coup critique, 300 vitalité, 80 chances. 50 coups critiques, 1 PO, 13 dommages hauts, 15 prospection, malus de 400 initiatives, 8 en fuite, 8 en esquive PM, 8% de résistance terre, 8% de résistance air et 20 résistance neutre. Donc une petite épée qu'il faudra FMO et ça vous fera, bah, pour vous les Zénithrophes full haut, une bonne épée. A demain, malheureusement. Le bâton bow. Alors, petit bâton, 24 dommages neutres, 22 dommages terre, 350 vitalité, 50 sagesse, 75 de puissance, 4 coups critiques, 1 PO, 15 prospection, un malus de 15 fuite, 20 dommages critiques, 20 résistance de poussée, 20 résistance neutre et 20 résistance au fixe. Les caractéristiques sont de 4 PA, donc une seule utilisation par tour, un bonus de 6 coups critiques et un CC de 1 sur 45. Donc, un bâton qui vient concurrencer la canne à sucre, qui est assez cheaté, mais ce bâton est encore plus cheaté vu que je crois qu'il représente à peu près, si je ne me trompe pas, un bâton brel ou même voire un bâton brageux sans le régène de vie. Mais les stats sont quand même assez intéressantes. Et là, s'il vous plaît les gens, c'est les panoplies. C'est THE panoplie. C'est les panoplies level 200. Les panoplies et les items du compte à rebours. C'est-à-dire que ce sont les items les plus cheatés du jeu. J'ai pas le cœur qui bat à fond. Mais franchement, je suis pressé de les découvrir. Donc on va un peu les regarder. Déjà, Sinistre Offu. On regarde la recette associée. En fait, non, parce que je viens de fail. Donc on va tout simplement, bah, regarder la panoplie Sinistre Offu. Level 200. 300 vitalité, malus de 100 force, bonus de 100 chance, 5 coups critiques, 18 dommages hauts, 10 soins, 30 prospection, 12 fuites, 12 résistance neutre, 8% de résistance hauts et 15 résistance fixe terre. L'amulette Sinistre Offu. 300 vitalité, malus de 70 force, bonus de 70 chance, 5 coups critiques, 1 PO, 20 dommages hauts, 30 prospection, 7 esquive PM, 15 résistance critique, 20 dommages de poussée, 10% de résistance feu et 20 résistance air. Les bottes Sinistre Offu, 300 vitalité, moins 80 force, plus 80 chance, 1 PM, 18 dommages hauts, 20 prospection, 300 initiative, 10% de résistance terre, 15% de résistance air, 15 résistance neutre fixe et 20 résistance eau fixe. En bonus de panoplie, 50 chances, 15 résistance critique, 30 résistance poussée, 1 PA. C'est une blague. Ouais, je crois. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait une panoplie comme ça, avec un malus de force. C'est censé être une panoplie de cheaté, mono-élément. La Danator refait tout à fait le poids face à cette panoplie-là. Après, par rapport à la Danator, eh ben vous ne pouvez même pas la mettre. Parce que la Danator a aussi une amulette. Et celle-là aussi, et je crois qu'on avait vu une panoplie full haut hier. Bah, pour moi hier, mais pour vous tout de suite, il y a 20 minutes, quoi. Et il y avait aussi une amulette dans la panoplie haut. Donc je vois pas trop. Bon, on verra bien. Je donne pas trop d'avis là-dessus. La cape Auvry, je me demande si on ne l'avait pas faite. On va vérifier ça. Non, je ne pense pas qu'on l'avait fait. Donc, on va donc en parler là maintenant. La cape
Ovry, 400 vitalité, 60 force, 60 chance, 50 sagesse, 5 coups critiques, 16 dommages neutres, 16 dommages terre, 16 dommages eau, 400 initiative, un malus de 15 stack, 10% de résistance neutre et 20 résistance feu fixe. Petite cape qui va bien avec la panoplie Oshimo, tout simplement. Dans la continuité de la panoplie Oshimo qui n'avait pas de cape. Voilà, rien de plus à dire sur cette cape. La ceinture séculaire, la panoplie séculaire, la panoplie du, bah tout simplement du compte à rebours, je pense. Ouais, ça m'a bien l'air d'être ça. Donc la coiffe séculaire, 300 vitalité, 100 intelligence, 40 agilité, 40 sagesse, une invocation, 10 dommages feu, 10 dommages air, 15 soins, 7% de résistance terre, 7% de résistance eau, 15 résistance air fixe, et j'ai sauté les 15 de prospection. L'amulette séculaire, 300 vitalité, 80 intelligence, 25 sagesse, 40 sagesse, 1 PA, 12 dommages feu, 12 dommages air, 20 prospection, 15 résistance critique, 8% de résistance neutre et 8% de résistance feu. La ceinture séculaire, 350 vitalité, 80 intelligence, 40 agilité, 50 sagesse, 7 coups critiques, 1 PO, 10 dommages feu, 10 soins, 15 fuites, 15 dommages critiques et 10% de résistance air. Ceinture très complète qui m'a fait manquer d'air à mes petits poumons. Le bonus de cette panoplie séculaire pour les 3 items est de 1 PA, 10 dommages critiques, 5 coups critiques et 50 intelligence. Petite panoplie qui est dans la continuité de celle de la pâte greffe et en plus qui est... La pâte greffe c'est coiffe, donc non. Vous ne pouvez pas l'associer complètement avec une pâte greffe. Vous pouvez toujours y mettre 2 items et le bonus de cette panoplie pour 2 items est de 50 intelligence, 5 coups critiques et 10 dommages critiques. La panoplie du compte à rebours. La voici, la voilà. La panoplie qu'on attendait. Wouhou! Oh oh! Et oui. Et ben, c'est pas du tout à ce que je m'attendais. Seyroth sur Twitter nous l'avait annoncé. Ben, l'avait spoilé. Un item sur Free Free dépasse les 50 vitalités. Un item. Et moi, je pensais franchement que c'était le Dofus des Glaces. Mais je pensais que c'était un spoil vraiment trop facile. Et je me suis dit, non, c'est obligé que ça soit un item de la panoplie du compte à rebours. Et c'est obligé que ça soit la coiffe, parce que la coiffe, elle est trop visible sur le skin du compte à rebours. Et ben, j'avais raison. Et en plus, la panoplie du compte à rebours, eh bien, tout simplement, est une panoplie force. Mais simplement, je viens de glisser et de motospoil celle-ci. Il y a beaucoup de malus. Parlons-en. 500 vitalité, 100 force, 60 sagesse, 1 PO. Moins 20 dommages neutres, 20 dommages terre, 30 prospection, 20 tacles. Et là, la catastrophe. Un malus de 5 résistances neutres, terre, feu, eau, air en pourcent. Ok, non. Bon, voyons cet anneau du compte à rebours. 350 vitalité, 50 force, 50 sagesse, 7 coups critiques, 15 dommages neutres, 15 dommages terre, un malus de 500 initiative, 25 résistance critique. Le bot du compte à rebours, 400 vitalité, 80 force, 50 sagesse, 1 PM, 20 dommages neutres, 20 dommages terre, 15 tacles, 10 esquives PM, 30 résistance poussée, 30 résistance neutre fixe. Ouais, quand même. Et le bonus de la panoplie du compte à rebours est de 1 PA, 10 tacles, 50 force et 100 vitalité. Vous pouvez la mettre avec une panoplie brousse si ça vous va, du moins la coiffe et l'anneau, vu qu'il y a déjà les bottes, et profiter du bonus PA de la panoplie brousse ou du bonus PA de la panoplie compte à rebours. Ça dépend comme vous voulez. Vous pouvez l'associer avec l'anneau brousse encore et la ceinture brousse. Et si vous mettez 2 items, ça vous offre 100 vitalité, 50 force et 10 tacles. Très bonne panoplie. Et voici le premier et seul item qui dépasse les 500 vitalité. Assez abusé. Ensuite, que pouvons-nous découvrir? La cape Lati. 300 vitalité, 60 intelligence, 60 agilité, 20 sagesse, 4 coups critiques, 12 dommages feu, 12 dommages air, 10 soins, 500 initiative, 6 retrait PA, 12 dommages critiques, 15 malus de 15 résistance neutre, 20 résistance neutre fixe et 15 résistance air. Petite panoplie dans la continuité de la panoplie pas de greffe. Et je tiens à le préciser qu'avec les malus de résistance neutre que je crois que j'ai observé pendant toute la vidéo,
Je crois que bientôt, eh ben, on va pouvoir arriver à du moins 50 de résistance neutre. Ah merde, mon crayon est tombé. Un malus de moins 50 de résistance neutre. si on met les bons items au bon moment. Alors, sinon. L'amulette grand-duc. Oh, la panoplie grand-duc. Et il y a un corps à corps. Alors, le masque du grand-duc, 400 vitalité. Oh, en plus, c'est le hibou banquier d'Astrub. 400 vitalité, 80 agilité, 60 sagesse, 4 coups critiques, 18 dommages air, 15 prospection, 300 initiative, 6 retrait PA, 8% de résistance neutre et terre. L'amulette grand-duc, 350 vitalité, 80 agilité, 50 sagesse, 4 coups critiques, 1 PA, 1 invocation, 15 dommages air, 15 prospection, 10 tacles, 10 dommages critiques, 20 résistance eau et 15 résistance air. Encore une panoplie full air qui va avec la Alistair, mais malheureusement il y a encore la coiffe. L'épée grand-duc, 30 à 37 dommages neutres et 9 à 14 dommages air. Une mini-carry, encore une toute petite mini-carry, mais là l'épée a vraiment un skin énorme. Waouh, une épée de gladiateur, franchement ça me donne vraiment envie. 350 vitalité, 81 agilité, 40 sagesse, 6 coups critiques, un malus de 1 PO, 18 dommages R, 20 prospection, 400 initiative, 10 tacles, 10 esquives PM, 20 résistance critique et 15 résistance feu. Les conditions, il y en a pas mal. Avoir fini le succès donjon du compte, agilité, il en faut plus de 450 et moins de 150 force ou 150 intelligence ou 150 chance. Les conditions d'utilisation sont de 4 PA, donc un lancé par tour, le CC 1 sur 2 et un bonus de coup critique de 6 dommages. Ça peut être bien. Hache Hérif, une petite hache Sheriff Aluna. Ok. 19 dommages neutres, 27 dommages R et 11 vol vitaire, 250 vitalité, 60 force, 60 agilité. 5 coups critiques, 1 PO, 18 dommages neutres, 18 dommages terre, 18 dommages air, 15 prospection, malus de 400 initiatives, 18, 20 dommages poussés et 10% de résistance en neutre et en air. C'est la panoplie, c'est la hache du mois qui va avec la panoplie vicieuse et la panoplie Nervac qui peut, ou sinon vous pouvez mettre un marteau reine à la place, mais c'est une très bonne aussi, une très bonne hache. Condition. Avoir fini les succès du donjon compte et plus de 350 force et plus de 350 agilité. 5 PA, donc une utilisation par tour, un CC de 1,50 et un bonus de coup critique de 4. Donc ouais, H moyennement bien, qui est quand même satisfaisante. Ensuite, non, ça on a tout vu. La hache Eval, 32 dommages neutres, 24 dommages hauts, 8 vols hauts, 400 vitalité, 60 force, 60 chance, 30 sagesse, un malus de 1 PO, 16 dommages neutres, 16 dommages terre, 16 dommages hauts, 10%, 20 dommages poussés, 10% de résistance feu, 20 résistance neutre fixe. Petite panoplie, petite hache haut, qui reste dans la continuité, non, on les achetait pas haut, c'était multi-éléments, on va dire ça comme ça. Donc petite hache pour les persos hauts. La sangle aise, petite ceinture, 350 vitalité, 60 intelligence, 40 sagesse, 5 coups critiques, 1 PA, 15 dommages feu, 15 dommages eau, 15 dommages air, malus de 20 fuite, 8 esquive PM, 20 résistance critique. Les conditions sont de avoir moins de 12 PA, avoir fini les donjons du compte. Petite ceinture que l'on peut mettre avec la panoplie automée par exemple. Et donc, je crois qu'on a fini tout simplement tous les items de Free Free. 3 en tout cas, tous les items de Free Ghost 3. Petite vidéo assez longue qui a été assez éprouvante pour moi et ça m'a fait un peu travailler mon souffle. Donc, petite conclusion pour moi peut-être. Je tiens à le dire, pas du tout déçu par les items. Voire peut-être même un peu trop cheaté. Ceux qui auront fini les donjons de Free Free 3 d'ailleurs. C'est le but, seront complètement cheatés en PVP. Au prochain Ghoul Terminator, donc le Ghoul Terminator 5, il y aura ceux qui ont fait Free Free et ceux qui ne l'ont pas fait. Il va y avoir un déséquilibre total, ça je vous l'accorde. Sinon là je pense qu'ils ont fait le maximum au niveau des items THL, je pense qu'il n'y aura pas mieux.
Je vois pas comment ils pourraient faire mieux actuellement. Ils ont rajouté 75 items différents pour pouvoir faire un must au niveau du PVP, pour avoir le plus de panoplies possible, etc. Sachant que bah, tout simplement on va avoir Free Free 3 bientôt disponible sur nos serveurs. En même temps, personne n'a déjà battu le premier donjon, hein. Faut le préciser. Donc pour le moment, je m'inquiète pas trop, mais quand il y aura déjà la solution sur Internet, tout ça, YouTube va s'empresser de faire spoiler l'info. Donc voilà, ça risque d'être assez cheaté. Par contre, je l'avoue, ces panoplies sont assez complémentaires à ce qu'a déjà fait Ankama. Ankama est resté complètement logique, et ça, je leur dis bravo, je leur tire mon chapeau, parce qu'ils ont quand même réussi à rester logique par rapport à ce qu'ils avaient fait, et à nous proposer un choix convaincant par rapport à nos autres panoplies qu'on a eu en 2.6 et en 2.9, tout en rajoutant bah, l'effet de cheat de ces panoplies, en rajoutant par exemple 50 stats dans un élément, en enlevant le malus de cette panoplie. Par exemple, vous pouvez voir, il y a beaucoup de panoplies qui vont par exemple ressembler à la panoplie d'Anator ou la panoplie Hellmonster par exemple, mais il n'y aura plus pas les malus. Ou par exemple, par rapport à la panoplie d'Anator, bah, il y aura des choses en plus. Ou par exemple, on va réussir à mettre la panoplie d'Anator en entier, mais on va avoir le choix après avec deux items de notre panneau, avec un choix d'un corps à corps, et par exemple avec le choix d'un autre item. Donc ça va être assez intéressant. Par exemple aussi la panoplie, la brousse, on a quand même 2-3 corps à corps en plus. On a une coiffe PA qui peut être utilisée, une cape assez intéressante, la panoplie automée pareil. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir faire des mix assez complets, et je vais pouvoir essayer de travailler un peu ça avec l'optimisation d'un Eka Flip. Là, ça sera plus l'optimisation d'une classe après Free Free 3, je pense. Mais bon, ça va être assez sympathique. Donc en tout cas, moi j'espère que cette vidéo de présentation des items vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, allez bye tout le monde, et on se retrouve pour la prochaine fois pour une autre vidéo de Free Rust en profondeur. Et je pense que cette fois-ci, bah, tout simplement, on parlera des succès qui sont ici présents. Allez, bye tout le monde. Tchuss.